Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de The Tech Demonster dans lequel nous allons chercher une troisième et dernière relique dans le désert parce que oui, dans les jeux vidéo, 3 c'est un super chiffre. Donc on a découvert qu'en fait dans le désert il y avait moult reliques. Vous savez les reliques qui sont normalement extrêmement rares, impossibles à traduire et surtout extrêmement utiles au technement. Et bah écoutez, en fait il y en a plein le désert, en fait tu prends une pelle, tu enlèves un petit peu de sable du sol dans le désert et tu tombes sur une relique normalement. Faut dire une relique, c'est, ils expliquent bien qu'une relique à la base pour eux ça peut tout aussi bien être... ça peut tout aussi bien être un iPad qu'une canette de coca. L'avantage de ne pas nous afficher les objets 3D de ce que nous trouvons. Reste au sol. Hop. T'es morte ? Oui, c'est bon. Donc ouais, l'avantage de pas afficher les objets 3D au sol, quoi. Tout simplement. Alors, il faut aussi qu'on cherche une bestiole, normalement, qui est un peu plus puissante que les autres. Oula, il y a un cadavre. Qu'est-ce que... Fouiller. Ok. C'est un peu glauque, du coup. Hop, on crush. On ouvre. Hop. Je vais bien tomber. Hop. Oh, tu te calmes. Hop. Hop. Allez, tombez. Je suis trop fort. Essayez de taper dans une vache à coup de pied, vous allez voir si elle tombe. Non, honnêtement, essayez pas. Hein. Vous allez lui faire mal aux pieds. Le truc de paysan, essayez de taper dans une vache aux pieds. Oh putain. Oh, c'est bon ça. Yo, cherche une grosse bébête, assez vilaine. Vois-toi. Non, apparemment, c'était pas toi. Je vais bien essayer de tomber au sol, s'il te plaît, merci. Retombe. Fais-moi le plaisir de retomber, s'il te plaît, merci. Hop, ça c'est fait. Bon, vous en êtes occupé de la dernière ou pas? Ah, j'ai pas le droit de chasser la bestiole au pistolet, apparemment. Ça y est. Ah bah oui, mais bon, s'il faut... Hop, les voilà, ça c'est fait. Bon, j'ai vu des coffres. Ouvrons ces coffres. Un coffre verrouillé niveau 1. Bon, bah écoute, celui-là il va pas être rempli de super choses. Hein. Voilà, des injections. La drogue! Bah non, la drogue c'est le sérum ici, c'est vrai. Quand je te ponctionne ton sang, en fait, ton sang c'est de l'argent. Enfin, non, c'est plutôt le sérum cérébral, je pense. Hein. Oh! Ah! Non, c'est pas celle-là, la grosse bébête. Bon, j'ai pas fait autant de dégâts, je l'aurais espéré, on va dire. Moi, je crois que Phobos s'était fait one shot. Ok, ça fait mal. Pas vous mentir. Hein. Hop! On les a tout eus. Bon, j'aurais espéré une plus grosse. Niveau 26, pour ça de près, hein. Un point à rajouter. Bah, du coup, on prendrait bien. Alors là, c'est quoi? Roublard, Technomant. Ah, Technomant, c'était cool. Ici, y a pas un truc à améliorer, genre là, avec ce point-là. Manipulation, je pense que j'ai envie de faire tomber l'ennemi avec l'esquive améliorée, d'accord. Coup critique, d'accord. Et ici, coup de masse amélioré, augmente, permet d'enchaîner un peu plus rapidement après toutes les attaques de masse. Faire des attaques à revers. Oh. Ça me plaît. Ça me plaît. Et donc ici... Qu'est-ce que... Vous êtes débiles. Et ils sont tous morts. Ils se sont fait tous one shot. C'est quoi ce bordel? Oh! C'est quoi ces pistolets de la mort? Ce poignard de la mort? Ah bah ils ont des super équipements eux. J'aime quand ça
marche comme ça. Hop, ils sont dedans aussi. J'en veux bien d'autres, moi, y a pas de soucis, hein. No susai, man, no susai. Non? Bon. Relique? Relique. On va pas trop en demander non plus, hein. Hop, ici. Plein de choses. D'accord. Ok. Bon. Bah, ça aura été cool. Comme petit voyage. Bon, par contre, on aura pas trouvé la grosse bestiole. Ça, ça m'embête un petit peu. Alors. Au niveau des quêtes, la grosse bestiole. Zoologie. Ça, normalement. Trafic d'armes, donc non. Voilà, c'est ici. Trouver un locuste orageux. Ça m'intéresse. Tuer un locuste orageux. Le caravane s'éraille. C'est pas ici qu'on s'est garé quand même. Ça y ressemble, hein. On va aller voir là au plus près, hein. On va aller voir au plus près. Ça normalement ça doit être des locustes, ça normalement devant là ce qu'on voit là, ce qu'on a buté. Mais un locuste orageux. Des fois quand je pète c'est orageux mais... Non je vois pas d'autre raison que ce soit orageux. Ça va plus vite. Est-ce que véritablement ça va plus vite? Est-ce qu'à regarder c'est pas plus chiant? Oh. Hop. Qu'est-ce que... Oh, ça me remonte là-haut à la ville. Oh, d'accord. Oh, oh, je l'ai pas vu venir. Mais oui, mais c'est tout con en fait. Je suis débile de pas y penser. Fallait bien qu'il le ramène à un endroit ou à un autre, le machin. Ok, cool. Et voilà, on est rentré. Bon. Du coup, la bestiole, elle est censée être... À Ophir ? The fuck ? Attendez, là je veux... Ok, c'est le bonheur. Je veux savoir. Je veux savoir ! Montre-les-moi ! Non, c'est pas ça ? Bon, bah j'arrête. Ok, donc à gauche, puis à droite, puis complètement à droite. Ah bah d'accord, bah écoute, je suis passé juste à côté de tout à l'heure. Ah bah écoutez, on va aller le chercher. Ces étrangers qui semblent être... qui veulent être pas... Qui sont pareils à moi, c'est ça? Non, je sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais pas, et je reste ça... Ça respawn là. Bombardement! À couvert. Boum. Il a pas vu venir celui-là, hein. Ah, moi j'ai pas vu venir celui-là non plus. Bon bah tiens, boum. Ça l'a pas tué. Tu vas arrêter tes conneries, oui. Aïe. C'est tellement mal quand il me fait ça. Ah, j'ai chaud. Boum! Ça a pas suffi! Voilà. Sale bête. Ok, bon. Alors, parce que je me doute que là ça aussi ça va avoir repop. Voilà, c'est bien. Aïe! Boum! Ah, ils l'ont tué, d'accord. Je crois qu'en fait, quand Phobos il tape pas souvent, mais quand il tape, je crois qu'il fait juste extrêmement mal. Je crois que c'est ça le principe, hein. C'est... Yo les filles. Raté. Je peux pas essayer de tomber au sol, on rigole. Voilà, merci. Voilà, c'est ça en fait. Quand il tape, il fait très très mal. Ok. Bon, alors apparemment, tu vivais par là et j'ai pas vu. C'est vrai que le trou est tout petit. Qu'est-ce que... Ah, c'est pas à ça que je m'attendais. Parce que si c'est ça, j'en ai battu des tonnes et des tonnes, hein. Oh. Oh. Oh, le double buff. Ah oui, ils se prennent pas masse dégâts sur la foudre, hein.
Ah, honte, moi, je m'en prends. Alors. Hop. Aïe. Sale bête. Ok, il va me refaire le coup de la, voilà, de la pile électrique. Hop. Ok, là je devrais pouvoir l'avoir avec une pile. Lul, voilà, c'est bon. Ah, vous êtes tous les deux morts, c'est con. Oh la vache. Masse dégâts que j'ai pris là. Et de une en moins. Hop, et de deux. Hop, bouffe. Ah la vache. Oui, je l'ai senti me venir sur le nez, celle-là. Bouf. Bouf. Je l'ai eu. Putain, je l'ai eu. Oh la vache, c'était ça. Glande de locuste orageux. Donnez les glandes de locuste orageux, d'accord. Et en plus ça me donne du mauvais cuir. C'est nul. Ok, on ouvre. Hop. Que du caca. Bon bah on rentre hein. Bon, on fait toutes les quêtes secondaires qu'on avait, ou presque. Y'a Scott qui est toujours porté disparu, mais on s'en fout, on préfère tuer des bestioles. Voilà, c'est dit. C'est dit, Scott. Les frères Scott, voilà tout ça. Alors par contre, si ça repop, parce que sous prétexte que je suis passé d'une porte à l'autre, ouais, je préfère. Je préfère. Bon. On continue. Hop. Hop, 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 hop. C'est bon. On est à la maison, ou presque. On a encore le bonus d'XP, ce qui est, ma foi, sympathique. Hop, on y va, et on rentre. Ici. On va lui donner les glandes. Hush up. As we close in on the city, I'll have to dodge a shit ton of potholes. Il y a tellement eu de passages que la piste est toute défoncée. Absolute concentration. When we get there, we should go say hello to Dandolo. He hates it when I don't stop by to peck him on the cheek. Il m'en veut que je ne passe pas l'embrasser. Oh. It was the first human place where my brothers could roam free. I didn't see many of you there though. So many memories over there. So many bad ones. The nostalgia of spending hundreds of hours in the unloading area, filling and emptying Marcello's sand sails. Is nostalgia the right word? Because past aside, it feels like home now. Et pourtant, moi, j'aime pas. Hein. J'aime bien la ville, mais j'aime pas son prince là, le prince à la con là. Je trouve que c'est un gros connard, moi. Il prend que les gens qui l'intéressent finalement. Il se dit si t'es libre, machin, tout ça. Non, non, c'est une cité où tant que t'es utile à l'aristocratie, littéralement, on te laisse ta place. Sinon, bah, tu dégages. C'est pour ça qu'il y a si peu de mutants, finalement. Il doit être par là. Ouais, il est là. Hop. Yo. Hey, Brad. Zachariah, how's the hunting? La chasse, bah écoute. Tiens, regarde. Got your last specimen. At last, glands of the infamous Locusta tempestatus. Fantastic. My thanks are endless. Tell me, how was its behavior? You're welcome. Its behavior, I don't... Well, it looked like it was absorbing electrical power to make it stronger. You don't say. Fascinating. Might you be willing to make some more collections while I study these? If so, the black mole would be... The black mole. It's been known to dwell in the canyons surrounding Noctis. Oh. I'll see what I can do. Sympa. Tuer une taupe noire. Bah écoute, j'irais bien me la tuer, moi. J'irais bien me la tuer. Ça me tente bien, vu qu'on découvre rien d'autre de nouveau actuellement et que j'aimerais... On pourrait aller voir Patience aussi, mais bon. Tant qu'on a accès à la zone, je sais pas ce qu'il faut peut-être en profiter. Non, je sais pas. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Hein. On garde les mêmes, hein, c'est bon. C'est bon. Voyager. J'espère qu'elle est juste pas trop loin. Pardon, il manquerait plus que ça, je dirais. Alors, où est la salle bête? Oh lâche. Ah non, ça va.
Elle est pas trop trop loin. Et voir, c'est pas trop trop loin finalement. Bon. Ça aurait pu être pire, vous me direz. Ah, mais on va se retaper toutes les petites merdes là. Ah. Fais pas genre t'es toute seule, on te connaît, on a bien compris que t'étais accompagné de plein de copines. Voilà, qu'est-ce que je disais. Aussitôt sorti de terre. Hop. Hop, couché. Comme un éclair, apparemment. D'accord. Nouveau succès. Oh. Donc du coup, les locustes, j'avais tort, c'était pas ça, la taupe noire. Oh là, c'est un... C'est un boss. Ah non, elle est pas sortie. D'accord, oui, c'est la grosse qui est derrière. Bouffe. Si on peut s'occuper de toutes ses copines. Me dis pas qu'elle en rappelle à chaque fois. Oh, ça va être tellement fun de se la battre comme ça. La vache. Non, je la sens pas. Joli. Raté. Tiens, tu la sens, mon gros coup de foudre. Et bouffe. Voilà. Fouillé. Ok. Dépecé. Ok. Bon. C'est pas la quête la plus intéressante du monde, hein, honnêtement. Enfin, il suffit de bourrer, quoi. Hein. Moi, je bourre un petit peu mes sorts de zone. Voilà, ça réduit le nombre d'ennemis. Une fois que ça c'est fait, je m'occupe du mec. Là, j'ai essayé les coups. Alors, le problème, c'est que je pense pas qu'on puisse parer les coups d'une bestiole avec un bouclier, honnêtement. En tout cas, pas dans ce jeu, si je puis dire. Mais bon, c'est mon avis. Hop. Alors. Le caravansérail Noctis. Écoute, si tu le dis. Hop, on sprint. Ça fait un petit peu quête FedEx quand même. Hein. C'est dans Wildstar où tu pouvais répondre à ton téléphone simplement et... Ah mais déjà qu'ils ont du mal avec les balises alors avec les téléphones. C'est débile. Yo. Hey Brad. Zachariah. Tiens, regarde. Got your last specimen. Oh my. A sample of the black mole. I can't even. If you only knew the contributions you're making, the discoveries from the storm locust glands alone, groundbreaking. And I'll be sure to cite your contribution in all my papers. Moi, j'aimerais bien que tu me donnes surtout un truc sympa. Dream come true. Really. You have another sample you're looking for? Indeed. The shield toad. Ce crapaud bouclier, on dirait qu'il serait visé parfois d'environ de mutants de vallée, mais les informations à son sujet sont rares. Mais mutants de vallée, je n'y ai même pas accès. D'accord. But for a hunter like you, I'm sure capturing such a specimen shouldn't be a hassle. D'accord. Vous êtes coincé. Vous êtes coincé, donc d'accord. Bah écoute, démerdez-vous, Phobos. Hello, Phobos. Tu connaîtrais pas par hasard. Hello, non. Non, 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 il connaît pas. Bon, bon, on va aller voir vite fait notre ami, alors du coup, patience. Vu qu'on a bien avancé dans les quêtes secondaires, je trouve, on mérite bien un petit peu d'histoire principale. Alors, je pense que si on passe par là, on pourra directement rejoindre sa maison. Voyons voir si... Vous êtes encore là, vous? Ah oui, vous êtes calmé, j'espère, au niveau des mutants. Ah ouais, ça devait être là. Ça devait être là, la fameuse maison qu'on a déjà visitée et qui nous semblait vachement vide. Voilà, j'avais dit que ça allait être une maison de... Looks like patience is gone. Judging by the mess, I doubt he left willingly. How the hell the ASC managed to get all the way here to kidnap him? Ah bon, je connais déjà toute l'histoire. Cuz we won't be safe as long as they're here. I better figure out where they took patience in the tablet he was translating. Guy's got some shit luck. Finally gets freed only to get mixed up in all this. Ouais. Je vais être honnête, je suis extrêmement dégoûté de ce qui vient de se passer là.
Là, au niveau de l'histoire, c'est... J'ai déjà lu le script, donc je sais comment ça s'est passé. Voilà comment cela s'est passé. Par conséquent, je devrais peut-être aller là-bas. Voir si, par hasard, ils n'y seraient pas, parce que je sais très bien qu'ils y sont, vu que je suis déjà allé... Vu que j'ai déjà lu le script, plutôt. Non, là, c'était un peu débile. Là, je suis désolé, mais là, c'est... L'écriture est parfois très très bien, et d'autres fois, elle est très très mauvaise. Et donc, du coup, il faut que j'aille où? Dis-moi tout. Allez interroger tout le monde dans la capitale que vous avez quittée. What? C'est débile. Comment ils ont pu emmener quelqu'un de force à travers une ville où justement la liberté prime? C'est débile! C'est mal fichu, c'est tout con! Par contre, j'ai toujours pas compris comment je suis censé aller là. Je suis censé aller là quelque part, vous voyez, normalement. Alors là, voilà, il n'y a qu'un seul endroit pour monter. Peut-être une porte ici, je sais pas. Il n'y a qu'un seul endroit pour monter, mais c'est fermé. Voilà, fuck it. Fuck it. Ouais, bon, là aussi, encore une fois, je suis assez déçu, hein. Soyons honnêtes, là, pour le coup, c'est très moyen, bon. Écoutez, on va se rendre sur place. Toujours avec la même équipe, on est très très bien avec ces deux-là, je trouve. Okay, d'ailleurs, on va parler à Amelia, vu qu'on a parlé à Phobos tout à l'heure. Hello, Amelia. Rien niveau information supplémentaire, d'accord, au niveau de son père. Parce que bon, ça me fait chier, je crois qu'on a loupé son père. Je profite pour regarder. J'en profite pour regarder vite fait. Bon, apparemment, non. J'ai dû me tromper. Alors, cette chaise de bureau commence à me saouler à un point, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela commence à me casser les noix. On va essayer de passer par là, je pense. Pour être rigolo. Allez, on y va. On va prendre un chemin différent, en fait, ça le principe. Que ça ne soit pas toujours la même chose. Bon. C'est la troisième fois qu'on vient ici, en deux épisodes. Pour moi, ça commence à faire beaucoup, surtout qu'on tombe toujours sur les mêmes ennemis. Donc du coup, je vais essayer d'esquiver le combat. Ah bah écoutez, ça va être plus compliqué que prévu. Une échelle. Je ne peux pas. Oula. Par hasard, tu ne serais pas en train de bugger. Hop. Bon, on va aider nos copains. Ok, tu t'es très très bien défendu, c'est bravo. Hein. Mon bouclier, s'il te plaît. Merci. Hop. Oh, allez, la grosse bête. Hop, tombe. Ça a été tellement facile de le faire tomber, c'est chaud. J'ai vu des trucs rouges dans le coin, voilà. Ouvre. Hop. Et il y avait bouclier de soldat renforcé, d'accord. Et c'est quoi ce bouclier? Il est moins bien ou mieux? Ah, il est moins bien, d'accord, je comprends mieux. Bon, bah d'accord. Monte à l'échelle, Marcus. Enfin, Zachariah. Zachariah! Oh, il m'énerve à prendre son temps à chaque fois. Bon. Po. Hello guys, what the goddamn shit? Non, tombe par terre. Oh là, hey, t'as essayé de me faire le coup de pied. C'est moi qui vais te foutre au sol, je te dis. C'est bien tombé. Hop, non! Oui, il est tombé! Aïe, ça me tire dans le dos, je veux pas dire, hein, mais... Aïe. Il va tomber, oui. Putain, j'ai jamais vu une personne se rattraper aussi bien dans les escaliers.
Boum. Et il tombe. Voilà, c'est bien. Hop, niveau 27. Putain, on ramasse les levels. Ça me fait limite me poser des questions. Du coup... Lance 3 arcs au lieu de 2, les arcs que j'ai ricochés sont les missions. Ah oui, d'accord, oui, ça je m'en rappelle. Tout ça, c'est pas... ça, ça peut être bien aussi, ça. Allez, hop. Ça, c'est à mettre. Hop. Il me fait, vous voyez, une charge en plus, donc deux charges de sort, ce qui va être extrêmement pratique. Je peux la prendre, la masse, j'en ai à faire. Ok, bon bah on continue alors. C'est par là. J'espère qu'on va pas se trouver face à une porte fermée, ça me ferait mal. Et pourtant ça me dit vaguement quelque chose. Ça me dit vaguement quelque chose le coup de la porte fermée. Je voudrais pas. En plus, on arrive pile dans l'échange, c'est pas bon. C'est pas bon. Ah voilà, qu'est-ce que je disais? Porte fermée. Captain, ah oui, mais je dois l'interroger, donc c'est cool. I found refuge in a city that doesn't belong to Abundance, if you can believe it. But it seems that Victor managed to infiltrate it. I know I'm asking a lot from you, but if you have any information on this... We're talking about an act of aggression toward a foreign power, and what I'm telling you is akin to treason, Zachariah. It's almost sure that Victor is preparing an attack upon our refuge city, but not with our own troops. Donc, ce serait avec... I was told, he has hired mercenaries and even embedded some of his men. The crazy part of the story is that he's preparing a war without an army, with the sole goal of capturing you. At this stage, that verges on psychosis. He's obsessed with you. Ooh. Watch out. Petit coquin. He's becoming more and more vicious. He won't stop at anything to capture you and your technomancer colleagues. D'accord. Thank you, Captain. Est-ce que vous pouvez m'ouvrir la porte tout simplement? Non, non, c'est pas possible. Tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, j'aurais réussi à lui parler, ce qui était une partie de la quête, donc ça c'est cool. On va parler aux autres, du coup on va voir. Hein. C'est dommage d'avoir traversé tout le terrain technomant pour ça, quoi. Enfin, tout le terrain de l'armée pour ça. Avec un peu de chance, on peut rejoindre d'autres emplacements. Hello there! Non? Personne là? Bon. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Que du caca. Eh hey, mais. Sean was right. Can't open this door without another technomancer. Attends. Ça m'a envoyé où ce truc là? Ah oui, sous la cathédrale, oui exact, c'est l'endroit où on a pris pour passer. Oui c'est bon, je me souviens, ok. Non mais c'est pas grave. Du coup, il faudrait que je passe par devant, puis à gauche. D'accord. Ok, on y va. Donc on va tomber face à des technomans, enfin des gars de l'armée, hein, voilà. Je crois que j'ai annulé mon armure. Non, je l'ai active. Oula. Aïe. Boum. Oh joli. Oh la vache. Oh le combo de la mort. Ça t'apprendra. Raté. Boum. On a eu celui-là. Et le gros il est où? Non c'est pas possible qu'il soit mort sur place hein. Il s'est remis en place. Hop, boum. Boum. Et tombe. Tombe. Aïe. Raté. Boum. Bon, c'est pas comme ça que je voulais y arriver, mais bon, au final, le résultat est le même. Crac. Injection de soin. Et on remonte. Ça m'inquiète, parce que je pense pas qu'on soit encore une fois au bon endroit. Mais bon, c'est comme ça.
Hello there. Reste par terre, ça vaudra mieux pour toi la prochaine fois. Oh, l'attaque était plus rapide que j'imaginais. Boum! Oh, joli. Ah, je pensais que l'autre allait s'approcher, dommage. Boum! 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 Merde, j'ai pas pu! Oh là là! Oh là là! Boum! J'ai plus de vie, vous avez remarqué? Boum! Eh, plante-moi ce couteau, vas-y, c'est bien! Hop! Oh là 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 là! Pistolet robuste encore! Je peux encore courir, j'ai du bol! Donc, du coup, nous faudrait qu'on aille. Ah, me dis pas qu'on a rien à faire par là! Oh putain! Ok! Donc, on va courir droit devant, on va aller dans les bas quartiers, c'est pas grave! Salut les mecs! Ok! Des deux. T'es mort toi, on est d'accord hein. Ouais, t'es mort. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Yo! Aïe! Alors ça, ça fait mal. Pas vous mentir, ça fait mal. Aïe! Ça aussi. Ça aussi. Et bouffez ça. Ça c'est fait. Boum. Ah, il est au sol lui. Oh, Phobos. Phobos qui met le mec par terre et qui tape. Ok, les bas quartiers. J'aimerais en finir avec cette quête peut-être. Avant de se terminer, de se laisser là, pardon. Ce serait peut-être pas mal. Oh, c'est bête hein. Hop. Boum le coup critique, on l'appelle. Alors, faut qu'on aille. D'accord. Anton Rogue, le mec que j'aime pas. Et ici, Bulgakov. D'accord. On va commencer par Anton Rogue. Bon, ok, apparemment j'ai pas le droit de les esquiver ceux-là. Tu sens mon gros coup de foudre? Et boum! Hop! Tiens! Aïe! Ok, on les a tous eus. Maintenant, on court. Et je cours! Je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit. Qu'est-ce que... Oh là, je crois qu'elle allait vouloir m'attaquer encore une fois, celle-là. Parce que oui, je vous rappelle, c'est une femme, hein. J'espère pas me tromper de zone. J'espère ne pas me tromper de zone. Là, on va se faire plus ou moins agresser. Mais eux ne me font pas peur. Car dès qu'ils vont voir des gardes, ils vont pas m'attaquer. Parlant de gardes, il y avait ici aussi. Et là, normalement, on devrait être bon pour aller au Curiosity. C'est pas là que je voulais aller à la base. Mais bon. Sur le principe, c'est pas grave. On monte les escaliers, on va parler à Bulgakov. Hey. Hey. Over here. Please. Un opposant. About what?
You don't know me, and I want to keep it that way. But I'll tell you, I'm with the opposition, and I know you're a wanted man too. Mm-hmm. ASC's hunting you. Heard you're quite the traveler. Keeping that in mind, my cell chief thinks we might be able to scratch each other's backs a little, considering we have the same enemies. He's got a deal for you. He'll be hiding in the back of the Curiosities, waiting for you. All right. Sure. Hey. Bizarre. Hey, over here. Please, I need to talk to you. Bizarre, bizarre. Bulyakov, salut. Should I be worried about your visit? If I was still an officer, maybe. I'm as much on the run as you are. Maybe I should start calling you something else then. What's your name? Zachariah. A pleasure, Zachariah. How can I help you? Avez-vous d'informations? The ASC managed to infiltrate the city where I'm currently living. Thought that maybe you could help me. You seem to be up to date on what they do. Victor, our nemesis. Very well. I'll tell you what I know. Victor got his hands on a commercial caravan, tortured its members in order to find out the location of their notorious secret city. Ah, la vache. The mysterious Noctis. He managed to send some of his men par there. La torture. So take this with a grain of salt. But now I'm convinced Victor's got both mercenaries and religious dignitaries on ASC payroll there. Watch out, Zachariah. Oh putain, on est vraiment vérolé de la mort en fait là-bas sur place. Ok, merci. Alors. Hi. Bonjour. Hello there, Mr. Mancer. Good to see you. How have you been coping with the ASC's rise to power? It's not me I'm worried about. You have no idea the number of our people who are arrested, tortured, killed. But all of Victor's brutality is starting. Donc c'est l'opposition à la au gouvernement de la SC. Donc c'est intéressant. Moi ça me plaît. Joining us in droves. Problem is, it's not easy to organize everyone, especially when we don't know who the ASC spies are and aren't. But we still need to get the truth out to the people. Oui, je comprends. It's the reason our publications are so important. It's just one voice of reason, standing up against the relentless lies and propaganda the regime's spreading. It's. I'm sorry. Il est honnête. Enfin, de mon point de vue, il est honnête. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon bonhomme ? We might be able to help each other. You heard right. Me and my group publish the real news, so people get to hear what's really going on past the propaganda. D'accord. Problem is, we're having trouble getting reliable information. As you can imagine, we're being hunted too, which makes it harder to meet up with our informers. A lot of whom are turning up dead. Ouais, je me doute. Rumor is the army's reducing its number of troops. Just a rumor for now. Well, I could probably talk to my former captain to verify it. That all you're looking for? Faudrait la rechercher. We also know that we lost the war to Aurora, but don't have any details about it. Not a single soldier even came back from the front. Problème dans la traduction, ils disent Aurora et c'est abondant, donc ils sont plantés les deux. Dandolo's probably heard and probably has a better political perspective and understanding of it than anyone else I'd know. That it? No. One last thing. We heard about a rebellion in a prison camp a while back. But it wasn't the prisoners who rose up, it was the mutants working there. Heard a lot escaped. D'accord. And do you want to know details? Sure. For that, I can go right to the source. Mutants have settled down in a place I know. I'll see if I can get some answers for you. I'll be back when I find them. It would be a big help. D'accord. Bon. Looks like I wasn't wrong in asking you. Be careful out there. Merci. Alors, encore une quête FedEx. Encore une quête FedEx. C'est un petit peu dommage, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. On va essayer d'aller voir l'autre mec là, le trou du cul, avant de se laisser. Je veux pas lui donner les armes, donc je lui donnerai pas les armes. Si je peux d'ailleurs, je les donnerai aux mutants. Alors, le chemin le plus court pour y arriver. À droite, puis encore à gauche, puis de nouveau à droite. À droite. On va réessayer ça. À droite. Puis, je serre à gauche pour éviter le combat. Puis, au fond, à droite.
Bah non, je suis trop bête. Il y a le passage ici. Hop. Et je peux rentrer ici tranquillement. Du calme avec les portes. Hop, il y avait du niveau 3 ici ou pas? Apparemment oui. Oui, j'en ai vu. Hop, bon, je m'en rendrai sur ma chaise parce que sinon je suis loin du micro, je pense. Hop. Mais ça m'a un peu dégoûté encore une fois, hein. Mais bon, c'est comme ça. Mr. Mancer, the sight of your face has started to give me agita. Oh. What do I owe the displeasure this time? Information sur ce que c'est l'ASC de Noctis. ASC knows about Noctis. Also how they got the information. Ils t'ont payé. I'm not one to donate information, but it's a funny story, so I'll make an exception. You see, the Prince Merchant is a smart man, but not a wise one. He forgot one important thing. The city thrives on the backs of those who lack loyalties. And c'est mercenaries pas l'impression qu'il lack, donne. Among many things, loyalty to anything but the serum. Serum that is doled out quite generously by the Colonel in exchange for their undivided attention to his needs. D'accord. And soon, the zealots taking refuge in Noctis conferred their loyalties to Victor based on the concocted dreams of a free pass into heaven for their services. D'accord, je vois. A parade of idiocy from start to finish, one and all trading loyalties for their magic beans of choice. If you're looking to learn what the spies found out for the Colonel, I'm sorry to say I haven't a clue. But I do know I'd pay a tidy price to see the look on Dandolo's face right about now. Ah, le sac. Guess we all have our little amusements. Thanks for the info. Le sac. I gotta go. Ok, salut. Then go. Bon. Eh bien écoutez chers amis, du coup on va cesser là pour cet épisode je pense. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, pas trouver les liens dans la barre de la chaîne. Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yoop.